Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Mais quand tu rentres dans moi 6 mètres, quand toi-même tu viens te vendre à moi, je te montre que je ne suis pas ton camarade. Et ça... ça va rester dans la mémoire de tout le monde, ce que je vais dire. De la manière dont je vais prendre les choses aujourd'hui, vous, si vous risquez de vivre général, je n'ai jamais su que toi, tu étais comme ça. La seule personne qui a vu mon visage quand je suis en colère, c'est Abudjou. Ce jour-là, il a pleuré. Il dit, viens, plus jamais, je vais faire clash avec toi. Moi, je me lave les mains, je suis pris dans le clash avec le vieux et autres. Je m'amuse pas, hein. Je ne fais pas clash parce que je ne suis pas bon. Je ne sais pas terminer quelque chose. Et puis moi, mon affaire, tant que le sang n'a pas coulé, je ne suis pas à l'aise, ça dépend du passé de chacun. Certains ont eu le passé où ils mangeaient le Nutella. Nous, on a eu le passé où à midi, là, c'est bagarre. Le soir, c'est bagarre. Le soir, c'est braquage. Donc, je ne m'amuse pas avec des choses. Surtout quand il s'agit de mes enfants qui n'ont pas de mère. Il peut te tuer. Et puis, il n'y a rien. Et puis, il peut prendre 20 ans de prison pour mes enfants. Partagez, s'il vous plaît. Laissez la moto. Celui qui est venu insulter, vient insulter. C'est son choix. Mais une chose est sûre, tant que je ne vois pas les 1 million de cas, le général ne parle pas. Je demande à ceux qui aiment Kimi, qui m'aiment, de tapoter. Ceux qui aiment la vérité, de tapoter. Mettez simplement les cœurs. Je veux simplement que les gens mettent les cœurs. J'ai la marchandise. Arrêtez de me demander de me calmer. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre camarade. C'est vous pour aller parler aux gens. Non, calme-toi. Fais ce suis. Je ne suis pas votre ami. Ceux à qui vous m'avez dit, calme-toi, on t'a dit à vos parents. Moi, quand je parle, tu fermes ta bouche et puis tu dis, alléluia, amen, ma cause va parler. C'est tout. Mettez les cœurs, on commence à signaler le direct. Je viens de recevoir une première notification. Je viens de recevoir une première notification. On va couper le direct. Mettez les cœurs pour sécuriser. 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 Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Méfiez-vous toujours d'un lion blessé. Il dit, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. King Manu, tu t'occupes en tant que modérateur de tout ce qui va se passer. Je ne suis pas content. Depuis que toute cette histoire a commencé, Dieu m'en est témoin. Je suis un père. Certains n'ont jamais connu ce qu'on appelle avoir un enfant. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la responsabilité. Moi, je suis un père. J'ai vu ma fille faire dépression. J'ai vu des vieilles femmes au pétou frélaté. Des femmes, même si elles te disent, il faut venir me moukou kato. Tu vas refuser. Ça soit 24 heures sur 24 sur la vie d'une fille de 19 ans. Aujourd'hui, ma fille est tranquille dans son coin. Elle est en train de faire ses études. Elle fait ses business. Elle est en train de réaliser ses exploits. On va encore la ramener dans ça. Quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit mourir. Sinon, mon âme ne serait pas en paix. Dieu merci, a pris mon téléphone, j'ai informé qui de toi pour leur dire. C'est dans quoi il va m'engager là. Il ne faut pas que quelqu'un va m'appeler. Parce qu'il y a des choses que les gens oublient. Mes enfants sont sous la tutelle de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire chaque fois, chaque mois là, il y a l'État et la présidence qui fait sauter un peu de djekoué pour les enfants de Makoso. Donc quand tu as affaire à mes enfants, tu as affaire à l'État. C'est-à-dire l'État peut te convoquer et peut te traiter 6 mois. Je commence à maltraiter mes enfants. L'État a le droit d'arracher mes enfants et de m'amener à la maca. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Il dit, vous allez prendre vos petits doigts pour céder là. Vous allez tapoter comme ça. Vous allez tapoter. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. S'il vous plaît. On a combien de partages? On est à 628 000. Il dit, tout se me met à genoux devant Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si quelqu'un m'a une fois aimé, si quelqu'un m'a une fois aimé en tant que papa qui protège ses enfants, il faut prendre ton doigt, il faut tapoter. Tu ne m'as jamais vu énerver. J'évite de m'énerver parce que quand je suis en colère, même Dieu ne peut pas me calmer. Ça doit dire beaucoup de choses. Quand moi je suis en colère, même Dieu ne peut pas me calmer. Et je peux affronter n'importe qui avec son pays. C'est-à-dire son pays vient renfort, moi il peut l'affronter. Moi j'ai affronté mon pays. La cause va me traiter de Judas, il dit bon maudia. On dit avant, il dit oui, on dit désabonnez-vous. Mais désabonnez-vous. Et tous se sont ralliés. Ce sont des classes, ce sont des noms. Un homme doit avoir des couilles. Et puis il assume ce qu'il est.
Je suis Camille Makoso. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Attendez rapidement les 10 000. Il n'y a pas besoin de parler très fort. Demandez à Axel Mérine. Parce que maintenant, il faut appeler les choses, les gens par leur nom. Il faut appeler les choses par ce qu'ils sont. Quand c'est foutaise, dis cette chose à ces foutaises. Bipez Axel Mérine. Il faut t'asseoir avec ta longue taille. Il faut t'asseoir. Il faut que quelqu'un te parle un jour. Pour que tu puisses comprendre comment fonctionne la vie. D'abord, j'ai pas vu ton commentaire. Moi, je suis venu, ton commentaire était déjà supprimé. Et j'ai pas vu le commentaire. Je suis venu, dit, mais ouais, le commentaire, dit, non, le commentaire était supprimé. Ok. Donc, il a vu que tout ça, ça ne servait à rien. D'abord, il est bon. Il a mes calmes. Puis après, il a vu un panel où il est allé intervenir avec des gens. Et c'est là qu'il a compris, première chose, que plus jamais dans ma vie, Makoso, il allait m'asseoir sur un panel. Et puis, chien va parler avec lion. Jamais. Rat va parler avec un lion. Jamais. Et si un lion, il ne parle pas avec les agoutis. Je ne parle pas avec les chiens. Je ne parle pas avec les chats. Mettez les fleurs. Ceux qui vont envoyer les cadeaux, tu envoies ton cadeau. Et puis, tu assumes ton cadeau. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. On n'est pas encore à 10 000 personnes. Tous ceux qui se connectent là, ne m'envoyez plus de message pour dire, général, je ne connais pas ton vrai TikTok. Ton mot, c'est mon TikTok qui est ici. D'abord, j'aimerais dire quelque chose à tous les TikTokers. Vous êtes une bande d'hypocrites. Le papa Makoso, l'homme qui a toujours été père pour vous tous, j'ai perdu mon compte TikTok d'1 800 000 abonnés. En dehors d'un talent, même ma fille Kimi n'a pas encore fait vidéo. Elle dit, papa, c'est demain, il fait ta vidéo. Il n'y a aucune personne, rien que par solidarité TikTokale, qui dit, ah, le général a perdu son compte. Je vais faire une vidéo avec son nouveau compte, même si on n'a pas quelque chose en commun, mais c'est un leader dans le domaine des réseaux sociaux. C'est un père. Mon général, c'est pour te soutenir, il a perdu son premier compte. Voici le nouveau compte du général. J'aimerais demander à tout le monde d'aller s'abonner. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Merci beaucoup. Quand vous avez problème, moi je suis toujours prêt pour vous. Même Khalil et Mariam, on a attaché Mariam ici qu'elle n'a pas eu bas. C'est moi qui ai mis ma cause, j'ai mis fin au débat. Vous n'avez pas été capable de faire vidéo. Pichounette. Non, laissons Pichounette. Pichounette, c'est ma fille. Voici une fille qui vraiment, elle a été la première à me contacter. Avec, comment elle s'appelle, Biscuit Russe. Mais Tifounette, cette blanche à la grosse tête, on dit à la pastèque. Sa forme compliquée, là. Je n'ai pas vu vidéo. Pour dire, général a perdu sa page. Allons nous abonner sur la nouvelle page. Vous êtes méchant. Il faut que je vous dise ça. Vous êtes très méchant. Même Jojo, le comédien. Je n'ai pas vu Jojo dire, il va former une vidéo pour dire le chien. Jamais. T'as dit, il y a l'impression que vous avez la sorcellerie ou bien quoi qui est dans ce milieu-là. C'est la sorcellerie. Un vieux père qui le jour ça s'est gratté sur vous, là. Le seul qui peut venir affronter vos ennemis, c'est Makoso. Ne m'ayez pas comme ennemi. Ayez-moi toujours comme un vieux père. Je n'ai pas vu. Même Fatou, cette petite illettrée là, ton là, tu mets le. Moi, perds-moi ma page. Toi, tu ne fais pas vidéo. Fatou, tu as changé. Hein? Ce n'est plus la petite bonne musulmane que moi, j'ai connue. Ton mot diable, mets ton corps dessus encore. C'est moi qui dis ça. Voilà. Les gars, commencez à mettre les cœurs, partager la vidéo. Est-ce qu'on a 1 million de cœurs? On n'est pas encore, on a 1 million. Tapotez s'il vous plaît, on va venir dans le sujet. C'est méchant, ça ne fait pas rire. Il n'y a rien qui fait rire, c'est méchant. Moi, c'est un vieux père. La coque à Mouchika, tu m'as dit, elle n'a pas trop parlé d'elle. Parce qu'elle est sur elle ne sait même pas que j'ai perdu ma page. Même Lolo Beauté, a tu m'as dit, de Moukou, dans fait de son nouveau love. Elle oublie que son grand frère, qui a pris ses deux pieds de Gokaou, là, pour l'amener en France, là, il a perdu sa page. C'est pas grave. D'autres sont contents. Il avait 1 800 000 abonnés, il a perdu, c'est pas grave. Je suis à combien? Je suis à 12 000 personnes sur mon nouveau compte, c'est pas grave. Moi là, j'ai compris dans la vie que je suis seul. Je suis seul. Parce qu'en temps normal, le pauvre est haute, ce petit Camerounais, sa tête en vient, petite souris là. Il aurait pu former une vidéo pour dire, ah, notre vieux père a perdu. Donc si on comprend bien, parce qu'Axel a discours avec Kimi, donc vous tous là, vous êtes dans un mouvement quoi. Tout ce qui concerne général et haut, donc c'est général. Général, vous l'avez connu par rapport à Kimi, hein. C'est bien, continuez comme ça. Que Dieu vous bénisse, c'est bien. Il vous donne 48 heures. Je suis un vieux très rancunier. Très rancunier, je vous dis ça en même temps. Si vous dites que vous êtes mes fils, si vous dites que vous avez Dieu dans vos vies, qu'un jour, le général a été prêt pour vous. En tout cas, merci à toi. Tu as été le seul hein, et le premier. Mais j'ose croire que les hommes n'étaient pas informés que j'ai perdu mon compte d'1 800 000 abonnés. Vous savez ce que c'est? Moi, tous mes comptes là, j'ai donné ça à ma fille Kimi. Quand Kimi perd un compte, c'est moi, je lui donne. Quand Kimi perd un compte, je lui donne. J'ai 400 000, je dis Kimi, tiens. Moi, je dis, perds mon compte. Il n'y a même pas quelqu'un qui m'a amené un lion ou bien un cadeau pour dire général. Vraiment, c'est pour te soutenir.
Vous êtes méchant. Je vous dis ça. Vous êtes méchant. C'est vrai que je vous dis ça. Merci à tous ceux qui sont connectés en même temps, qui s'abonnent. Je vous dis merci. À tous ceux qui s'abonnent, je vous dis merci. On va revenir au sujet. Continuez de tapoter, partager le don. On a combien de partages? On a 550 partages. Vous foutez de ma gueule. Il y a combien de personnes? 12 000 personnes connectées. Cliquez sur partager, amenez le direct à 15 personnes chacun. J'ai vu quelqu'un m'amener un message, dit général, si tu parles mal d'Axel Meryl, c'est tout le Bénin qui va se lever contre toi. Bon, j'ai vérifié d'abord la population. Bon, d'abord, tu parles pas au nom du Bénin, mais j'ai essayé de vérifier d'abord la population du Bénin. Voilà, j'ai essayé de voir population du Bénin. 2023, voilà. Bon, 2023, je vois ici 13 millions d'habitants. Pas si je me trompe. Voilà, 2023, je vois 13 millions. 13 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire fait 28 millions d'habitants. Ok. Donc, tu as ta réponse. Hein. Si on veut rentrer dans le clash, il n'y a pas un pays qui peut faire clash avec la Côte d'Ivoire. Nous, on nous appelle opération destruction. Mais ne venez pas faire les choses des individus pour mettre les pays dedans. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas intelligent. Les Béninois, là, c'est des gens qui n'aiment pas parler. Quand tu rencontres un Béninois, dès qu'il y a parole, le Béninois est le premier à lever son pied. Béninois aime l'amusement, il aime rire, il aime taquiner, il aime plaisanter. Mais à faire, où il y a la bagarre, le Béninois n'aime pas. C'est pour ça, en matière de comédie sur les réseaux sociaux, ce sont les numéros 1. Jojo le comédien, un talent pur. Il y a l'autre là, comme il s'appelle, oh, celui qui aime souvent se jouer les vieux là, un talent pur. Je vous salue. En matière de musique, on voit aujourd'hui certains qui excellent, mais ce soir là, permettez-moi de pouvoir faire sortir toute ma colère. Merci à ceux qui sont en train d'amener les cadeaux. Tous ceux qui vont amener les cadeaux, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas encore vu Axel connecté. Quand il se connecte, je le vois. Voilà. Mon petit, prends ton faux profil, là, ton faux profil TikTok. Il faut te connecter, ça t'a venu me suivre. Je sais que M. Mera, il est déjà connecté. Donc, je vois déjà sa tête qui est déjà connectée. Bienvenue, M. Mera. Je m'appelle Camille Makosso. L'homme, quand il est énervé, il frappe les gens. Voilà, tu t'as mis et te pique à un couteau. C'est ça ma vie. C'est dans ça là, Dieu m'a enlevé. Ne me ramenez pas dans mon passé. Hein. Mes enfants que vous voyez là, là, c'est la seule chose pour laquelle moi je vis. Hein. Si moi il n'y avait pas d'enfant, je m'allais me mettre sur le pont, je me jette dans l'eau, je me suicide, je retourne ma femme. Si moi il n'y avait pas d'enfant, j'allais demander à Dieu de prendre ma vie. Mais je ne sais pas ce qui me restait sur cette terre. C'est mes enfants qui font que je me lève au matin. Je me brosse, je fais un peu le sport, je viens devant vous, malgré que je ne suis pas content. Oh les gars, c'est comment? Yes, c'est à cause de mes enfants. Si ce n'est pas moi, mes enfants, champion, il n'y en a qu'à mourir. Si ce n'est pas mes enfants, la mort n'est qu'à me prendre partie. Mais mes enfants sont petits. Quand la mère partait, Kimi ne venait d'avoir seulement que 16 ans. Elle venait de quitter 15 ans. C'est-à-dire à son adolescence, elle avait besoin d'une mère pour lui montrer que c'est quoi garçon, c'est quoi ceci. Elle s'est élevée elle seule. Moi, je n'ai pas le temps, je suis toujours en voyage. Elle a élevé ses petites soeurs. Son petit frère, c'est elle qui a élevé vous. Allez à l'école. Une fille comme Kimi, je vous jure, sur tout ce que j'ai dans ma vie, elle mérite le respect. Je vous jure, sur tout ce que j'ai dans ma vie, moi c'est ma fille, mais je respecte ma fille. Une fille comme Kimi, qui perd sa mère, elle n'est pas la seule orpheline. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur maman, mais qui sont devenues des prostituées. Plus ils ont perdu leur mère, ils sont devenus alcooliques, drogués. Elle a perdu sa maman. Son papa est resté seul. C'est elle souvent qui prend manger, qui vient s'asseoir. Papa, faut manger. C'est elle qui prend ses petits fonds, on va prier ensemble. C'est elle qui leur dit, vous devez être les meilleurs en études parce que maman voulait toujours que vous soyez les premiers. Maman, elle était intelligente. C'est papa qui ne partait pas à l'école. Et moi, il ne partait pas à l'école. Et moi, il partait faire le banditisme. Moi, j'ai connu l'école du banditisme. J'ai arrêté l'école en seconde. Je faisais un cours du soir. Voilà comment j'ai arrêté l'école. C'est ma fille là qui prenait ses petits frères, qui leur enseignait mathématiques. À 16 ans. Vous, à 16 ans, vous faisiez quoi dans vos vies? À 16 ans, vous étiez où? À 17 ans, ma fille se met sur les réseaux sociaux. J'entends des gens qui me disent non, c'est Axel Mérite qui a donné visibilité à qui me voulait malade. Ma fille a la visibilité parce que c'est la fille du général Camille Makosso. Axel aurait pu prendre n'importe qui pour chanter Kimi, ça n'allait jamais prendre. C'est parce que c'est la fille du général Camille Makosso. Leur union a créé un buzz parce que c'est la fille de Makosso. Oui. Il faut que ça rentre dans l'oreille des imbéciles, des inconscients. L'enfant a le talent, mais associé à Kimi, qui est la fille d'eux, on s'est dit, on va voir ce que ça a donné. Et Dieu merci, ça a pris. Le mauvais œil a regardé leur union. Le mauvais œil a regardé la marmaille. Le mauvais œil est venu gâter. La sorcellerie est venue s'implanter. Bia, vidéo à gauche, vidéo à droite. Bref, avant-hier, nous étions tous assis.
Et j'ai fait un post, parce que j'aime beaucoup m'amuser, en présentant ce petit à Dingra. Parce que coach Amunchik, à chaque fois, quand un joueur joue bien, elle dit, je te donne Tracy, je te donne Tracy. Je fais un post dans lequel je dis, je donne Kimi en mariage à Dingra. Et nous avons Emilio, le chanceux. Je pense que ton nom même là, tu dois le changer. Mais ce n'est pas un nom qui porte chance. Parce que tout ce désordre là, c'est d'abord toi qui en es le premier responsable. Voilà. Ce n'est pas ici de bonne humeur, sinon toi, je dois te gifler en plein Abidjan d'abord pour que tu saches que je ne suis pas ton ami. Je dois te taper pour que tu saches que je ne suis pas ton ami. Moi, j'ai fait 15 mois de prison. Je suis sorti de la prison avec tous les plus grands meurtriers. Oh Dieu, je suis calme. Beaucoup sont devenus pasteurs, d'autres sont devenus militaires. Faisons attention, vous ne connaissez pas la vie sombre de chacun. On est sur les réseaux, se joue les bêtes. Mais quand on était à la caméra là, chacun ne sait pas dans quoi chacun est. On n'est qu'à se respecter. Emile vient même vieux, Kimi là. C'est pas pour Axel, il pose question. Moi je mets lol et je ris parce que j'estime que c'est une provocation. Voici le commentaire de Emilio, de Axel Méry. C'est bien marqué Axel Méry. Donc c'est lui qui a commenté. Et il écrit en grand caractère, comme moi-même j'écris, pour dire qu'il est en train de crier fort. Axel, faut t'asseoir. Faut t'asseoir, petit. À bas pied. À bas pied. Je ne suis pas camarade de Kimi. Kimi, tu ne m'envoies pas de message actuellement. Là. Tu t'es à lancer. Axel dit, jamais de la vie. Même si Dieu descend, ça ne va jamais arriver. Ouais. Dans la première interrogation, que beaucoup se demandent, Dieu vient faire quoi dans ton affaire là, ici? Dieu vient faire quoi dans ton affaire? C'est un mépris, c'est une foutaise, c'est comment? Parce que moi, je sais, hein? C'est que si chacun veut présenter peut-être sa copine, ou sa fiancée, ou sa femme, et puis on présente Kimi sur le plan financier, intellectuel, projet, avenir, Kimi les dépasse tous. Il n'y a pas une TikTokeuse qui peut venir se comparer à Kimi sur TikTok. Un, en matière d'abonnés. Deux, en matière de visibilité. Trois, en matière d'intelligence. Quatre, en matière de projet. Cinq, même dans le match, elle va les battre. C'est une fille bénie. Elle n'a que 20 ans. Elle arrive à faire ce que des femmes de 40 ans n'arrivent pas à faire. Une enfant comme ça, on doit l'encourager. On ne doit pas l'humilier. Axel continue et dit, on dirait que vous aimez toujours continuer dans les bêtises. Vous n'aimez pas la vérité. Jamais de la vie. Laissez-nous respirer. C'était le film. On n'a jamais été ensemble. On n'est pas ensemble. On ne sera jamais ensemble. Ça, ce sont les propos d'Axel Méry. Hein. Les Béninois, c'est votre fils. Hein. Il n'est pas allé commenter sur la page de quelqu'un. Il a dit sur moi, ma page. Ouais, il y a des gens qui sont suicidaires. Ouais, il y a des gens qui sont quand même suicidaires. Je ne sais pas. Quand il y a des gens, je ne sais pas qui les livre, mais au lieu de bien sécher, il y a des gens qui sont suicidés sur la page de Makosso. C'est-à-dire Makosso a sa page, c'est sa maison. Lui, il est assis. Il met un commentaire, un post. Quelqu'un va faire un commentaire. Et puis, Axel vient, il commente sur la page du général. Makosso, tu es tombé. C'est-à-dire ton nom ne fait plus peur. Et si un sévère d'exemple pour que la crainte puisse s'emparer de tous les autres. Partagez la vie. Dit, les gars, on est à combien? On est à 2 500 000, ça ne me plaît pas. Montons à 30 000 personnes collectées. Je vous demande pardon. Pouh, mon cœur commence à monter. Mon cœur commence à monter. Ça commence à monter. Pouh, ça commence à monter. Ça commence à monter. Makosso. Pouh, ça commence à monter. Ça commence à monter. Chien! C'est foutaise, quoi. C'est du fait que le général est celui-là. Même on peut humilier sa fille. On peut parler mal. Et puis, il n'y a rien, quoi. J'ai vu des gens qui m'ont mis des messages. Axel manque de respect à ta fille. Toi, tu dis rien. Et oh, tu es un père lâche. Tu as peur d'Axel. Hey! Makosso est tombé. Mon nom ne fait plus peur. Il y a des gens quand même qui sont suicidaires. David, le lion, tueur des dragons. Celui qui a éteint tous ceux qui se sont opposés à lui, il est couché. Et puis, tu viens, tu rentres dans sa cage. Et puis, tu t'en tapes ses testicules. Les testicules du lion. Ouais, Axel Méry, tu es courageux. Félicitations. On te donne aujourd'hui le prix du courage. Mais tu as supprimé le commentaire. Mais il vient. Yéli, tous ceux qui sont connectés, vous allez capoter aujourd'hui. Yéli, mettez les cœurs. Tant qu'on n'atteint pas les 10 millions de cas, moi, je ne vais pas être content. Mettez-moi les cœurs.
Mettez les cœurs. Ça a monté ma dose. Mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit, il a demandé. Ne venez pas m'énerver. Hein. Ne venez pas m'énerver. Hein. Les bâtards là. Faut pas que quelqu'un va m'énerver ici. Si c'est moi qui est allé commettre cette erreur là, vous allez voyager mon âme. Viens voyager votre âme aujourd'hui. Mettez-moi les cœurs, partagez le devant. On a combien de partages? On est seulement à 1000 partages. Je veux qu'on atteigne les 10 000 partages. Pardonnez! Partagez le direct là, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez, vous me coupez le direct. Axel. Axel. Ouais, Axel. C'est lui qui est là, hein? C'est lui qui est là. Joli paquet. Ouais. Beau visage, beau menton, belle petite babichette. Ouais. Mais ici, c'est toi. Les gars, mettez les cœurs, partagez le direct. Ici, c'est toi. Ici, c'est toi aujourd'hui. Où je suis, toi. Voici ma fille Kimi. Voici mon héritière. La mère de mes enfants. Voici celle qui s'occupe de mes enfants. Quand celle-là est triste, métier triste, pari est triste, hache est triste. Donc, quiconque s'attaque à celle-là, c'est attaqué à mon avenir. Mettez les cœurs pour Kimi, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux même pour Kimi. Tous les cadeaux qui seront donnés aujourd'hui, je transfère ça à Kimi. Tous les cadeaux qui vont être donnés aujourd'hui, je transfère ça à Kimi. Voici les cadeaux. Voici Kimi. Voici Kimi. Cette petite fille-là, quand vous la regardez de la tête jusqu'au pied, elle a quoi de mal? Cet enfant que vous regardez ici-là, elle a quoi de méchant? Dites-moi, je veux savoir. Cette petite fille, regardez bien son visage. Dites-moi, il y a quoi qui est mauvais en elle? Elle fait don aux orphelins. Elle aide les gens qui sont dans les moments difficiles. Elle fait des jeux concours. Elle donne millions à des gens qui gagnent dans la musique pour qu'ils deviennent quelqu'un. Il y a qui a déjà fait ça? Sur TikTok, personne! Kimi, tout ça, c'est de ma faute. Si moi, ton papa, je ne m'étais pas engagé dans la fête de Facebook, tu n'allais pas aimer les réseaux sociaux. Ma fille, je te demande pardon. Il y a des moments donné, on t'insulte, me fait mal. Il y a des moments donné, on t'insulte là, c'est pour moi, me fait mal. Je te demande pardon, ma fille. Pardon, Kimi. Je te demande pardon. Tout ce que tu subis là, c'est de ma faute. On dit, je suis un père. Je ne suis pas trop violent pour vous protéger. Pourtant, tu connais ma violence. Je ne sais pas comment c'est la violence. Parce que j'ai une violence meurtrière. T'as dit, je peux être violent. Il y a toi qui es mon ennemi là. Si tu as touché à ma femme, à mes enfants, je peux te faire du mal. C'est pour cela que je ne parle pas trop. Mais aujourd'hui, je vais parler. Je vais parler. Hein. Ceux qui ont les oreilles sensibles, quittez mon live. Parce que quand j'ai lancé ma page là, mon compte TikTok là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, général, je t'aime, viens m'abonner à toi. Tous vous tous, mais qui êtes en train de suivre, la majorité des gens, vous n'êtes pas en train de vous abonner. Vous êtes en train de me suivre parce que tout simplement, vous voulez le beurrer. Mais dès que vous aimez Kimi, je ne vois même pas votre amour. Parce que l'amour se manifeste par les tapotages. L'amour se manifeste par le partage. L'amour se manifeste par les cadeaux. J'ai dit, tous les cadeaux d'aujourd'hui, je donne ça à Kimi. Combien de personnes avoir les cadeaux? Je paye la scolarité de ma fille, moi seul. Ça me coûte 12 millions de francs CFA. Quelqu'un m'a une fois amené 1 lion ou 2 lions pour dire, général, c'est ma participation à l'école de Kimi. Jamais. Je subis seul, moi seul. Quand ma fille pleure pour dire, maman me manque, c'est moi seul, je pleure elle. On venait faire pleurer encore un enfant de 20 ans. Mais attendez, arrêtez un moment donné, il faut que je vous libère. Il faut que je vous délivre. Merci à toi, Reina, pour le cadeau que tu amènes. Ça va permettre à ma fille Kimi de payer lait. Elle va manger ça. Mais je viens à toi. Axel, on va écouter la vidéo d'Axel. Et puis on va décortiquer ça. En fait, pour présenter des excuses directes. Ouais. Pour le commentaire que j'ai fait sous le poste du général. Ouais. Et ton coup de... Je peux avoir n'importe quel truc que j'ai sous le cœur ou si ou ça. Mais ça... Je vous demande pardon, c'est maintenant le direct commence. Je vous demande pardon, c'est maintenant que le direct commence. C'est maintenant les vraies choses vont commencer. Je veux voir les partages. C'est maintenant les vraies choses vont commencer. Tu n'as pas le droit de répondre en bas du comment on appelle du poste de l'aîné. Excusez-moi, vous le trouvez sincère? Est-ce que vous le trouvez sincère? Est-ce que vous sentez la sincérité en lui suivez? Impossible. Donc, je tiens encore à m'excuser. Surtout aussi, que ce soit par rapport au général, que ce soit aussi par rapport à toutes les personnes à qui j'ai déjà, je sais pas, que j'ai déjà frustré par un commentaire ou bien pas une réponse à un commentaire, n'importe quoi. Tous ceux qui me suivent, la plupart ont l'habitude de me dire, Axel, partagez ce que je dis. Non, mais pourquoi je ne vais pas répondre? Je vais dire, mais c'est la vérité. Non. C'est ça, moi, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à voir les choses. Milly Vida, amène-moi un lionceau, s'il te plaît. Ne voit pas les choses de la même façon, donc il faut vraiment que ça s'arrête. Moi, en tout cas, je ne veux pas. Et cette vidéo, en fait, c'est pour dire vraiment stop. Stop, surtout à moi, parce qu'en fait, je ne vais plus, je n'allais plus jamais me voir, que ce soit en réponse.
Vous êtes sûr que Axel n'avait jamais dit qu'il n'allait plus jamais. Ok, continuons, continuons. Que ce soit n'importe quoi, je ne voulais plus jamais me voir. Chacun fait son truc de son côté. Et chacun gère déjà très bien. Je veux vraiment qu'on arrête là. Je ne veux ni buzz, ni rien du tout. Je n'ai jamais eu besoin de ça. Ma carrière n'a jamais commencé par rapport à un buzz. Et je ne veux pas que ça puisse même se lier à un ou deux buzz. Je veux vraiment qu'on s'arrête là. Et je présente encore mes sincères excuses au général. Parce qu'en fait, c'est un aîné. On ne peut jamais agir comme ça. Et je vais de... Je ne suis pas un aîné, je suis un père. Petit, je suis un père. Je suis un père. Les gars que tu vois comme les Safarel ou bien... Les kérosènes et autres là, si tu les dis, c'est un aîné là, ils vont te taper, hein. Je suis un père, hein. Je suis un père, c'est le père. Continuons. Je vais pas aller supprimer mon commentaire sur sa page, les gars. Merci, Miliville. Je m'excuse vraiment. Et vous allez voir, ce n'est pas juste la bouche. Vous allez me voir, vous n'allez plus jamais me voir commenter un truc ou bien ci ou ça. Je tiens vraiment à m'excuser. Et surtout aussi par rapport à ma famille, à tous ceux qui me suivent. Ok, bon. Je vois les commentaires, etc., etc. Je vois les commentaires autres. Antala, ne m'amène pas d'invitation, s'il te plaît. Ne m'amène pas d'invitation, parce que je suis déjà très en colère. Ne m'amène pas d'invitation. Mes chers amis, mes chers parents, je vous dis deux choses. Deux choses qui sont pour moi d'une importance vitale. J'aimerais poser d'abord la question. Nous sommes 21 000 personnes connectées. Qui sont ceux qui se sont abonnés en même temps à vos TikTok? Qui sont ceux qui, en même temps, qui sont connectés, se sont abonnés? Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes abonnés. Cher ami, je vais parler avec mon cœur. Je vais parler avec ma colère. Je vais parler avec ma rage. Oui. Axel! 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 J'ai été appelé combien de fois? Trois fois. Trois fois. Tu as fait ton commentaire. 24 ans après, tu es venu faire une vidéo pour dire que tu présentes tes excuses. Okay. Mon petit, tu sais, tu es quelqu'un de très nerveux. Tu as le visage d'un ange. Mais tu as quelque chose en toi que tu dois tuer, que tu ne maîtrises pas. Tu es très réactif. C'est un élément qui, pour moi, là, ça m'a mené en prison pour dompter ça. C'est un conseil d'un père qui parle à son petit. Tu es trop réactif. Et c'est le côté réactif là qui est en train d'enjamber certaines choses. Il faut apprendre. Parce que Emilio, là, le chanceux, là, commentaire qu'il est venu mettre là, c'est foutaise. Parce qu'il sait, et tous ceux qui sont vrais savent, que entre toi et Kimi, il n'y a jamais rien. Il n'y a rien et il n'y aura rien. Parce que tu as quelqu'un dans ta vie. Voilà. Tu es quelqu'un de responsable. Quand tu as quelqu'un, tu l'assumes. Et ça, là, je te félicite d'abord pour ça. Parce que tu aurais pu être un djanjou à gauche, à droite. Mais tu as réfléchi trois fois. Et tu t'es dit, je ne vais pas prendre la dignité de cette fille. Je vais rester dans mon coin. Ça n'a pas marché, je reste dans mon coin. Ça, nous te félicitons. Le chanceux, là, il te connaît. En venant faire un tel poste, que ta famille et tes parents pouvaient voir, c'est humiliant. On peut t'appeler pour dire, mais le gars là, il te connaît. C'est comme si on dit, Mola, va faire un commentaire sur le poste de comment il s'appelle, Sarah Messin, puis dit, et ton chéri Makoso. C'est humiliant pour moi-même. Et c'est provocant pour moi. Donc, Emilio le chanceux ne t'a pas seulement manqué de respect. C'est pour ça que j'ai mis lol. Parce que je me dis, Emilio ne me connaît pas. C'est à moi d'abord qu'il a manqué de respect. Et il n'a pas encore présenté ses excuses. C'est à moi d'abord qu'il est venu manquer de respect. Parce qu'il prend ma fille pour une marchandise. C'est-à-dire un truc qu'on peut donner à tel. Un truc qu'on peut donner à tel. Emilio, tu es une mère. Il n'a pas baptisé ta maman aujourd'hui. Parce que tu me connais. Il n'a pas baptisé ta maman. Il a épargné ta mère de tout ce qui se passe là. Parce que c'est ton côté sorcier là qui est en train d'enjamber tout ce désordre. Et toi, tu viens crier la sorcellerie, tu te mets à l'écart. Et puis tu observes. Parce que tu veux voir la réaction impulsive d'Axel. Tu vas venir commettre une erreur. Et ensuite, on va le manger. Tu es méchant. Tu es très méchant. Axel, je suis Camille Makoso. À chaque fois qu'on est venu me dire, voici ce que Axel fait, j'ai toujours dit ce qui suit. Moi, c'est une affaire en deux jeunes. Je suis un père. C'est l'enfant de quelqu'un, ma fille est enfant de quelqu'un. Je ne me vois pas
Moi, en tant que père, venir faire soi enfant de quelqu'un pour le détruire, je ne veux pas le faire, je ne le ferai jamais. Hier, je l'ai dit. Aujourd'hui, je le dis. Demain, je le dirai. Axel, tes excuses sont acceptées. Tes excuses sont acceptées. Tu restes un fils. Je ne peux pas venir devant le monde entier. Parce que tout simplement, tu as eu ce qu'on appelle l'effet d'une colère. Venir te prendre et te vendre à la vindicte populaire. La seule chose à qui que moi je demande, c'est pardon à ma fille. Parce qu'elle mérite le respect. Moi, je te demande pardon, Kimi. Moi, elle vient, je te demande pardon. Axel a présenté ses excuses à ton papa. Henri Cochet, là, c'est après la présenter ses excuses. Si dès le départ de votre affaire, votre petite mésentente, là, cette telle réaction avait lieu, on n'allait pas être ici aujourd'hui. Tu es en train de grandir, Axel. Parce que tu n'étais pas obligé de dire je prends les excuses au général. C'est force d'une grandeur. Quelqu'un qui a le courage de demander pardon est quelqu'un qui est en train d'atteindre la maturité. C'est pas moi, il serait ton sorcier. Jamais. Ceux avec qui tu parles et puis qui te disent non, sûrement, ça doit être le général qui est derrière là. Ils ne me connaissent pas. Il faut bien me regarder dans les yeux, Axel. Ils ne me connaissent pas. Si moi, il y a affaire à toi, champion, tu as senti que ma cause soit affaire à toi. Je suis le plus grand influenceur du continent africain. Si ma... Là, c'est 21 000 personnes qui sont connectées. J'ai parlé, ils sont connectés. Si j'ai affaire à toi, tu as mes sentis dans ton sentier. Tu as mes sentis jusqu'à. Tu as dit même pas d'argent pour attendre Côte d'Ivoire. Tu as dit je ne vais plus dans ce pays-là. Parce que les Ivoiriens vont t'attendre à l'aéroport. Le jour où j'apprends que tu as amené toute ma camorra à l'aéroport pour t'humilier. Comment t'as jamais humilié? Mais tu n'es pas, tu n'as pas un fond méchant. Je ne peux jamais venir dire ce que Dieu ne m'a pas dit à quelqu'un. Ma fille a été blessée. Tu as été blessée. Le rôle d'un père, c'est de venir dire à l'autre, tu as raison. À l'autre, tu as raison. Parce que dans la vie, là, il faut toujours garder le côté bon de l'homme. Ce que tout le monde attend, c'est qu'on vienne s'asseoir. Axel, tu es méchant. Voilà ce que ta femme, je ne vais jamais le faire. Jamais. Parce que je suis un pasteur. Le rôle d'un homme de Dieu, là, c'est de réconcilier les gens, c'est pas de les diviser. Si ça veut dire que je ne protège pas ma fille, si ça veut dire que moi, je n'aime pas ma fille, champion, allez aimer vos enfants puisque moi, j'aime mon enfant. Je ne peux jamais, je dis, de toute ma vie, mon enfant sera en parade avec quelqu'un. Et elle est venue prendre la défense de mon enfant pour tuer. Non, je vais parler à mon enfant. Je vais prendre le coup pour mon enfant. Je vais vouloir qu'on me poignarde pour mon enfant. Parce que si mon enfant entre en guerre, que je ne suis plus là demain, qui va défendre mon enfant? Frère, vous n'êtes pas des parents. Moi, je suis un parent. Je suis un père. Axel, j'ai suivi ta vidéo 4 fois. J'ai lu les traits de ton visage. Et j'ai découvert que tu as été sincère. C'est vrai, tu as ton honneur, tu as ta dignité. Merci à tous ceux qui sont en train d'envoyer les cadeaux. Tous vos cadeaux seront donnés à Kimi. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde doit amener un cadeau pour dire à Kimi, je te demande pardon. Kimi Yako, Kimi Yako. Parce que dans le vrai fond, c'est Kimi qui devient comme une cible. Merci beaucoup à toi, Daniel Kos. Merci à toi, Daniel Kos. Je ne veux pas être ce papa qui vient et qui dit qu'il est pasteur et qui prend son enfant. Mais non, je ne veux pas être ce père-là. Kimi est une fille trop sage. Kimi est une fille dont son nom ne doit pas être dans les clashs et dans les buzz. Parce que ses actions sociales sont des actions qui doivent bientôt l'amener à l'UNICEF. Ce n'est pas nous qui allons venir nous asseoir pour détruire l'avenir d'un tel enfant. Jamais. Ces panels qui se font à gauche, ces panels qui se font à droite, c'est pas parce qu'ils aiment Kimi. C'est parce qu'ils veulent des abonnés. C'est parce qu'ils veulent de la visibilité. Et Emilio le chanceux, le sorcier de ce problème, a mis Axel dans le problème, Axel dans le buzz. Axel fait sortir ses musiques. Souvent ça prend comme il le veut. Souvent ça prend pas comme il le veut. Kimi fait sortir ses œufs. Souvent ça prend comme il veut. Maman Wilson, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui envoient les cadeaux ce soir-là. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous donne des enfants comme Kimi. Que Dieu vous donne un Kimi dans vos familles. Une Kimi dans vos familles. Vous allez voir ce qu'on appelle avoir le bonheur d'avoir un enfant responsable. Ma fille n'est pas parfaite. Hein. Elle, sa taille économique, elle a des grands défauts. Mais quand son téléphone m'a appelé pour dire papa, je ne suis pas contente. Parce que Axel n'a pas été tout le temps méchant avec moi. Il y a eu une incompréhension. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui, dans le secret, prient pour elle. Parce que dans la vie, tu peux avoir ta raison. Quelqu'un peut tomber dans ton piège. Mais de la manière dont tu vas le taper, ça sera tellement excessif que les gens vont dire non, général. Ce sont des enfants. Toi, ton rôle, c'est d'appeler les enfants, prier pour les enfants, donner des conseils aux enfants. Je ne peux pas venir dénigrer Axel Méry. Jamais je le ferai. Parce que dans cet enfant-là, moi, quand il a parlé avec mon téléphone, je n'ai pas vu quelqu'un qui est méchant, qui veut détruire des gens. Il a son défaut, son seul défaut, son seul mauvais caractère, ce longuerino-là, c'est que ce petit est trop impulsif. J'ai le même problème. Ce problème m'a mené en prison pour que je le tue. Je tue ce problème en moi.
Parce que pour moi, c'est dès que tu as dit, je réagis, tic-tac. Mais c'est un comportement qui, au fur et à mesure que tu prends de l'âge, ça diminue. Tu corriges. Nous devons aider nos enfants. Nos enfants qui sont sur les réseaux-là, on doit prier pour ces personnes. On doit les soutenir. On doit les amener à devenir meilleurs. On ne doit pas être ceux qui viendront les détruire. Je ne serai pas le sorcier de ma propre fille. Kimi, aujourd'hui, là, ce sont tes études. L'étude de Kimi, les cours de Kimi en commerce international, en gestion marketing, font 12 millions. Il n'y a pas quelqu'un ici là, qui m'a dit, mon général, je vais t'amener au moins 2 millions pour que tu permettes de payer l'école de ta fille. Je suis seul à payer l'école de mon enfant. Je suis seul à financer les projets de ma fille. Quand il dit, papa, j'ai besoin de tel montant, il dit, voici ma fille. Tiens, ma fille, papa, il a été remboursé. Non, c'est pour toi. Ma fille m'a parlé de Mercedes. Je suis en train de lui faire la surprise. Parce que je me dis, mes enfants doivent tout avoir ce que moi, je n'ai pas eu. Moi, je vous demande pardon. Ceux qui ont été blessés par les propos d'Axel Meryl, qui sont les femmes de Kimi, vous ne devez pas rester au détail. Dans un problème, regardez toujours qu'est-ce qui cause le problème. Qu'est-ce qui a causé la réaction d'Axel? C'est Emilio le chanceux qui connaît Axel et qui prend son nom pour venir me le mettre sous le poste du général. C'est une provocation. C'est vouloir toujours créer des polémiques dont on n'a pas besoin. Axel est dans son game. Kimi est dans son game. Les deux avancent. Gloire à Dieu. Ils ne sont pas en couple. Ils n'ont jamais été en couple. Ils ne seront pas en couple parce que l'un est occupé, l'autre est en train de se concentrer sur ses études. Donc, à un moment donné, on doit l'accepter pour se concentrer à autre chose. Parce qu'il y a toujours des défis dans la vie. Nous sommes dans une nouvelle année. Comment tu fais pour que cette année soit ta meilleure année? J'ai mal. J'ai mal. Parce que les gens, au lieu de se concentrer sur ce qui est bon, on se concentre sur ce qui est négatif. Kimi, tu es ma fille, hein? Mais elle te donne un conseil de père. La seule personne sur la terre qui, à ton dernier jour ou à ton jour de mariage, qui va prendre ta main, ce n'est pas un abonné. Ce n'est pas un donateur. Le plus grand donateur de ta vie, là, c'est Kamil Makoso. Je t'ai donné la vie. Le plus grand donateur de ta vie, c'est Kamil Makoso. Je t'ai donné la vie. Il n'y a pas un cadeau. Il n'y a pas une offrande. Il n'y a pas un don qui sera plus important que ça. J'ai payé ton école depuis maternelle jusqu'à maintenant. Quelqu'un peut venir te parler. Quelqu'un peut venir te dire, moi je pense, dis à la personne, mon père est un prophète. S'il voit le malheur, il viendra me dire, ma fille, là où tu t'en vas, là, il y a un malheur, fais attention. Ma fille m'a dit le jour de l'anniversaire d'Axel, papa, il allait faire une surprise à Axel. Il a dit, prends Métis et prends ta secrétaire, partie. Elle a payé le billet d'avion de 3 personnes. Elle est allée lui faire la surprise. Parce qu'elle s'est dit, à mon tour, tu es venu me faire sortir dans un clip, ce que je n'ai jamais vécu. À mon retour, là, je dois aussi t'honorer. Dans la vie, on n'est pas obligé d'être ensemble. On n'est pas obligé d'être amis. Mais on doit se respecter. Quand quelqu'un a un malheur, tu dois le soutenir. Quand quelqu'un a un bonheur, tu dois le soutenir. Moi, j'aimerais dire aux uns et aux autres, ici présents, si en tant qu'Africain, on ne peut pas s'aimer, c'est que nous sommes des maudits. Je ne serai pas le sorcier de ma fille. Je suis venu vous dire ce soir, Axel Meryl a eu le courage de venir devant le monde entier, faire une vidéo et présenter ses excuses. Il faut être sorcier, maudit, sataniste pour ne pas pardonner. Moi, je pardonne. Et j'aimerais dire à tous ces abonnés, priez pour votre papa. Parce que si vous l'aimez, priez pour lui. Si vous l'aimez, priez pour lui. Ayez des jours de jeûne afin que Dieu puisse protéger. Parce que quand quelqu'un est visiblement connu, lorsque quelqu'un est public, il vit une autre catégorie d'attaque spirituelle que vous ne maîtrisez pas. Quand moi, je dors, je sais ce que moi, je vis. Il y a des personnes. Aujourd'hui, regardez par exemple celle qu'on appelle au niveau Coco Emilia. Je dormais ici sur ce lit. Quand je vois dans mon esprit que celle qui a pris l'étoile de Coco Emilia est une influenceuse amie à elle, qui a pris le soin de travailler sur cette fille pour prendre son étoile. Aujourd'hui, là, qui entend parler de Coco Emilia? Qui voit Coco Emilia? On dit non, c'est Francis Bemba. Jamais. Goumé ne peut pas rendre une femme à ce point. Jamais. Coco Emilia, ce n'est pas son premier gars. Elle a déjà connu Goumé. Mais nous sommes dans un monde méchant. Les communautés d'influenceurs que vous voyez, les amitiés d'influenceurs que vous voyez, ça n'existe pas. C'est pour ça que je suis aujourd'hui heureux. Que ma fille ne soit pas dans une communauté, dans un clan. Elle est un lion marche seul. Elle est dans son coin. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle n'a pas d'ennemis. Elle peut être amie à quelqu'un, mais elle n'est pas dans un bon, pour dire un collectif où on marche. Parce que toujours les collectifs, c'est une association d'hypocrites. On se met ensemble parce que je dois jouir de ta visibilité. Tu dois jouir de ma visibilité. Mais le jour où il y a problème, chacun se retire et on te laisse seul. C'est dangereux. La preuve, Kamil Makoso, papa des influenceurs. On a fermé mon compte TikTok.
parce que je montre l'argent sur les réseaux sociaux et je dis aux gens, celui qui va donner le bon score va gagner 3 millions. Ils ont bloqué. Hey, Seigneur, faut pas dire la même chose ici, on va bloquer ça. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Faut pas dire la même chose, on va bloquer ça ici. Il y a eu combien de personnes qui ont fait une vidéo pour dire, voici le nouveau compte du général, allez vous abonner. Si tous les TikTokers l'avaient fait, en moins d'un jour, je serais passé aujourd'hui là, minimum, j'ai dit minimum à 500 000 abonnés. Mais personne ne l'a fait. Parce que pour eux là, c'est comme s'ils sont en concurrence. Si Marcos tombe, ses noms sera vu, c'est méchant. Parce que moi, mon tour, si quelqu'un perd son compte, je serai toujours prêt à faire une vidéo pour lui venir, allez vous abonner. Je suis toujours prêt à donner de la force aux autres. Mais en retour, qu'est-ce que nous on gagne? Quand je me clash, quand il y a des rumeurs sur moi, combien de personnes peuvent se mettre devant la caméra pour dire, cet homme, je le connais. J'étais aujourd'hui avec Siro. Si vous venez me dire, je participais à tes veillées à l'hôtel communal, je n'ai jamais su. Je sais que toi, tu es un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, tu t'es donné une stratégie sur les réseaux que les gens ne comprennent pas. Mais nous sommes des hommes publics, on ne peut pas venir te défendre comme ça. Mais continue de faire ce que tu as fait. Un jour, Dieu va te donner justice. Je vous demande pardon. Si nous ne pouvons pas nous aimer en tant qu'Africains, c'est que nous ne méritons pas d'exister. C'est que la race africaine doit être détruite. TikTok, là, ça a été créé, non pas pour qu'on devienne ennemi, mais pour qu'on appelle à se développer, pour qu'on appelle à créer des choses ensemble, pour qu'on appelle à se soutenir. Je veux être à ma place, jamais l'ennemi de quelqu'un. Donc, Axel, tu es pardonné aujourd'hui, tu es pardonné hier. Fais attention. Tout ce qui peut concerner ou qui peut blesser une personne qui n'a ni mère et qui est seule, évite cela. Parce que nous tous, nous sommes des orphelins potentiels. Moi, j'ai la chance d'avoir ma mère et mon père. Demain, on peut m'appeler pour dire mon père n'est plus vivant. Je vais pleurer. Je serai seul. Demain, on peut m'appeler pour dire ma mère n'est plus là. Ça voudrait dire que nous tous, nous sommes des orphelins potentiels. On ne fait pas du mal à un orphelin. Je ne pense pas que tu sois quelqu'un de mauvais. Raison pour laquelle je pardonne. J'accepte tes excuses. Et tu es pardonné. Je veux mettre tout le monde écrit Kimi, nous t'aimons. Je veux voir tout le monde écrit Kimi, nous t'aimons. La seule autre chose que Kimi a besoin aujourd'hui. Elle a besoin de ses tatas, de ses mamans autour d'elle, qui vont continuer de prier pour elle. Je demande à ma fille de ne jamais commettre l'erreur de répondre un jour. La seule erreur que Kim a eu à faire, c'est lorsqu'elle a répondu à Tata Lolo. Et comme vous l'avez vu, le lendemain, le Saint-Esprit l'a conduit. Elle est allée présenter ses excuses. L'affaire est morte jusqu'aujourd'hui. Lolo Beauté est vivante. Lolo Beauté a vu tout ce qui se passe. Mais est-ce que Lolo Beauté est sortie? Non. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus que ces gens de problème se règle sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont connectés à cet instant précis, j'aimerais vous donner, s'il vous plaît, mon numéro de téléphone WhatsApp. Parce que je serai à Paris le 23. Et tous ceux qui sont au niveau de la France, j'aimerais vous faire un don particulier, un don spécial. Excusez-moi. Ok, laisse la connexion ouverte, tu vas recevoir maintenant des messages. J'aimerais vous donner à vous tous mon numéro de téléphone WhatsApp. Et tous ceux qui sont au niveau de la France, j'ai un deuxième don à vous donner. Je ne vois pas les cadeaux, je ne vois pas les tapotages. Nous sommes exactement à 4 millions de tapotages, je ne vois pas les cadeaux. C'est ici là, vous voyez, quand on parle de paix, vous n'envoyez pas de cadeaux. Mais quand on parle de destruction, là vous envoyez les cadeaux. Vous êtes méchants, que Dieu vous pardonne. Tous ceux qui amènent les cadeaux, que Dieu vous bénisse. Tata Hélène, je te salue, merci beaucoup pour l'amour que tu donnes à ma fille. Tata Georgette, merci pour tout l'amour que tu donnes à ma fille. Maman Cathy, moi, je ne te connais pas, hein. Mais il paraît que tu donnes aussi beaucoup de dons à ma fille. Vraiment, que Dieu te bénisse. Il y a qui encore? Citez-moi le nom de Tata de Kimi. C'est que je ne connais pas. Voilà, Tata Wilson, que Dieu te bénisse. Il y a qui encore, s'il vous plaît? Donnez-moi le nom de Tata. Donnez-moi le nom de Tata de Kimi. Tata Agnès. Hey! Maman Agnès, que Dieu te bénisse. Tata Awa, que Dieu te bénisse. Tata Angèle. Eh, hey, Mariamba, Mariamba. On dit à qui encore? Le corbeau qui? Quelqu'un s'appelle Corbeau. Tata Nafi. Tata Chanel. Voilà, maman Livia. Tata Georgette, Tata Jenny. Tata Flora. Tata Lolo, Tata Mimi. Tata Rida. Tata Wisdom. Il y a une tata qui s'appelle Corbeau. Ah! Tata Dido. Tata Olivia. Tata Catelina. Quelqu'un s'appelle Corbeau? Tata Eva. Tata Merveille. Que Dieu vous bénisse. Citez-moi maintenant les tatas de Axel. Afin que je les salue. Tata Pascaline. J'aimerais saluer toutes ces tatas. Et vous dire, vous n'êtes pas en guerre avec les tatas de Kimi. Parce que vous êtes tous les mêmes tatas. Vous n'êtes pas en guerre avec la famille Makoso. La famille Makoso, ce sont des serviteurs de Dieu. Et je viens de vous le démontrer. Nous ne sommes pas hypocrites.
On sait faire la guerre parce que nous avons des hommes de guerre. Si Lolo Boté et puis Makoso, ça sait sur toi ta vie, tu peux devenir quoi? Ta vie est finie. Mais nous avons appris qu'en 2024, chaque année qui passe nous rapproche de la mort. On doit être des personnes vraies. Tata Rita, Dieu te bénisse. Tata Didina, que Dieu te bénisse. Tata Maël, que Dieu te bénisse. Tata Mohamed, que Dieu te bénisse. Le bien Kobo, sois béni. Tata Tiam, Dieu te bénisse. Tata Huguette, que Dieu te bénisse. Kadika, que Dieu te bénisse. Madame Vanessa, que Dieu vous bénisse. Maman Cathy, que Dieu te bénisse. Tata Marine, que Dieu te bénisse. Tata Elle, que Dieu te bénisse. Tata Mimi, que Dieu te bénisse. Tata Eva Gold, que Dieu te bénisse. Qui a mis quel nom ici là? Providence, Dieu te bénisse. Merci pour vous tous. Je vous donne maintenant mon WhatsApp. Je veux voir tout le monde m'envoyer un seul message dans lequel vous dites, général, je veux ma prière. Je vous donne le WhatsApp. C'est le 00225. Prenez le numéro, s'il vous plaît. 00225 07 48 79 85 85. Jojo, que Dieu te bénisse. Mariam et Kalim. Je vois les Congolais qui sont en train de s'acharner sur la vie de Mariam. Les Congolaises, arrêtez ce que vous faites. Ce n'est pas chrétien. C'est le jeu de football. On se taquine, on se moque. Mais prendre la vie d'une petite fille de moins de 23 ans et vous êtes en train de vous asseoir sur sa vie, ce n'est pas chrétien. La fille fait des vidéos pour se taquiner et autres. Quand on perd, on se moque des uns des autres. Merci de prendre ta porte. Dieu te bénisse. On fait des vidéos pour se taquiner. Ce que vous êtes en train de faire à la petite Mariam là, Dieu est juste. Vous allez commencer à venir gâter sa vie. Non, ses seins sont tombés. Les seins de Mariam ne sont pas tombés. Regardez bien ses seins. Ses seins sont tellement bien remplis que ça déborde. C'est vos longs seins qui sont tombés. Celles qui font les vidéos contre la petite fille là. Si vous voulez clasher, venez moi me clasher. Mais laissez la petite fille là loin de vos choses. On fait tous des vidéos sur ce taquine. Arrêtez de mettre la haine. Maintenant toi, Khalil, ta longue taille là. Actuellement, c'est à cause de toi qu'on a fait juste la fille. Vous dites qu'elle n'a pas été dotée. Hein. Faut chercher à aller doter la petite fille. Je te donne cette année. Si cette année passe, que toi, tu n'es pas allé doter Mariam. Petit, on allait trouver un Guinéen qui a marié la fille. Ça voudrait dire que toi, tu es méchant. Fatou, je te salue. Voilà. Tifounette, je te salue. Malgré que tu ne m'amènes jamais de cadeaux. Petite méchante là. Voici le numéro 00225 07 48 79 85 85. J'aimerais saluer mon fils MMK. Je te salue parce que tu es un homme vrai. Ce qui se passe actuellement n'est qu'une incompréhension. Mais MMK, je ne te connaissais pas. J'ai regardé les vidéos de ton passé. J'ai regardé ton visage. J'ai vu que tu es quelqu'un de vrai. Moi, je ne prends pas compte de quelqu'un. Je dis ce qui est. Mais la personne qui t'a une fois fait un don, peu importe ce qui se passe, mon fils, garde ça. Ne viens jamais sur les réseaux pour en parler. C'est le conseil d'un père que je te donne. Si y a quelque chose, confie-toi à un vieux père et dis au vieux père, voilà le numéro d'une tata. Faut régler le problème, on geste en sous-malélé. La vie là, ceux qui vivent longtemps vivent dans le secret. Vous devez avoir des vies secrètes. C'est pas tout, on parle en tala. Mon fils, j'ai pas encore vu ton lion pendant qu'il s'en direct. Que Dieu te pardonne pour ce péché. Tifounette, je n'ai pas encore vu ton cadeau pendant qu'il s'en direct. Que Dieu te pardonne pour ton péché. Kimi, je n'ai pas encore vu ton lion pendant qu'il s'en direct. Que Dieu te pardonne pour ton péché. Téma, ta petite tête en dehors, cocoman. Que Dieu te bénisse. Tu as un talent. Tu as un potentiel. Je rappelle le numéro. 00225 07 48 79 85 85. Jojo le comédien. Tu es quelqu'un de très talentueux. Que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais. Et que Dieu veille sur ta famille et sur tout ton papa. Que Dieu le bénisse grandement et puissamment. Je demande à tous ceux qui sont connectés de bien vouloir prendre mon numéro WhatsApp. Tous ceux qui sont au niveau de Bovan. Que Dieu... Oui, Bovan. Bovan est un mauvais frère. Tu es en train de verser le sang dans mon entièreté, mon frère. Camé, mon Camerounais, 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 l'histoire des schémas Camerounais, c'est pas possible. Mais mon frère, tu verses le sable dans mon entièreté, mon frère, mon frère. Moi-même, le père de la maman, il cherche à dire, ouais. Non, cadeau de TikTok est doux. Cadeau de TikTok est doué. Mon frère, mais tu verses le sable dans mon entièreté. Oh là là, la vie est belle. Vous savez, c'est tout ça qui donne un peu du goût de la vie haute. J'ai appris que maman Cathy dit qu'elle va se retirer des réseaux sociaux. Madame, si Dieu t'a mené en mission pour soutenir les gens, le jour où tu te retires, Dieu te frappera. Moi, il te dit ça. Allez dire ça à maman Cathy, que c'est Makoso qui dit ça. Je ne sais pas qui vous êtes, que vous soyez corbeau, que vous soyez tata, au moins, il ne vous connaît pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu utilise des gens pour aider les autres.
Le jour où tu arrêtes la mission que Dieu t'a donnée, parce que les gens sont en train de t'insulter, c'est que toi, tout ce que tu as fait là, ce n'est pas hypocrisie. Et comme je sais que ce n'est pas par hypocrisie, vous allez continuer votre mission. Les tatas Georgette, les tatas Hélène, qui sont en train de faire des dons aux enfants, ne vous dites pas non, parce qu'on a insulté celle-là, il ne faut pas demain, ça va être mon tour. Hey! Dieu donne le talent à tout un chacun, petit frère, un père, un pichounette. Biscuit russe. Que Dieu vous bénisse. Il y a qui encore? Qui j'ai oublié? MK Michel, sois béni. Toi, ça t'a loupé. Il faut prendre encore bien d'avion. Tu as venu encore à bien ici, venir te promener. Ton monde diable, bloco placabeur. Voilà. Je rappelle à tout le monde mon numéro. Manatu, mon fils. Je suis au garde à vous. Tu es un fils. Que Dieu te bénisse, Manatu. Il y a qui encore qui ne t'a pas salué? Axel Mary, toi, il t'a plusieurs fois salué. Ton monde diable, Axel. Voilà. Rosine, Slamet, que Dieu te bénisse. Voilà. Diana Bouli. Vanna, Tina, Dieu te Diana Bouli. Cette fille-là, elle est méchante. Les filles sexes, c'est qu'elles ont un mauvais foin, n'a jamais amené cadeau. Bon. Tu as soutenu la Côte d'Ivoire. Sois béni. Je suis assis là comme ça. Bijou, sois béni. Tema, Momo, Momo, Dieu te bénisse. Métis, hé, hey, Jamila, ma marraine. Ma marraine du Burkina, Dieu te bénisse. Je rappelle le WhatsApp, s'il vous plaît. Prenez le WhatsApp, s'il vous plaît, rapidement. Mais permettez-moi de saluer une personne avec révérence, avec fierté. C'est ma fille Kimi. Ma fierté. Mon étoile. Celle que les gens voulaient éteindre. Celle que des vieilles femmes, des vieilles sorcières ont pensé qu'elles allaient éteindre. Kimi, garde ton cœur pur. N'oublie pas une seule chose. Chaque fois que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ta maman est avec toi. Merci beaucoup à toi, Vanna, Tina, que Dieu te bénisse. Chaque fois que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, maman est à côté de toi. Quand tu fais un pas, elle fait un pas. Merci à toi, Esaïe 25, pour tous ceux qui envoient les cadeaux. Que Dieu vous bénisse grandement. Sache-le, ma fille. Tout ce qui va arriver, tu seras toujours inébranlable parce que l'Éternel est avec toi. Nous devons être des artisans de paix. Axel n'est pas l'ennemi de Kimi. Kimi n'est pas l'ennemi d'Axel. On ne doit jamais diviser ces enfants-là. Parce que tout simplement, il y a un don que Dieu les a donné. Et dans l'avenir, personne ne sait si un jour, ils pourront peut-être collaborer sur quelque chose. On va finir de parler. Demain, Dieu va les mettre, par exemple, sur un podium où un chef d'État les a convoqués, où un ministre les a convoqués. Ils vont recevoir des prix. Et puis, c'est nous, on a honte. La vie est longue. On ne sait pas ce qui peut arriver dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Moi, cette année, le plus grand projet que j'ai dans ma vie, c'est de construire une école que je vais offrir à mon village. Tous les cadeaux que les gens envoient, je vais les réserver à ceux-là. Aujourd'hui, tous les cadeaux d'aujourd'hui, c'est pour Kimi. Quand je viens de dire Kimi, voici tous les cadeaux qu'on t'a amenés. Je lui fais le transfert rapidement. Mais tous les cadeaux à partir d'aujourd'hui qui viendront sur cette page seront dédiés à construire une école pour permettre à des enfants qui n'ont pas la chance d'être instruits gratuitement. Nous allons faire de ça une école privée mais gratuite où nous allons payer les enseignants nous-mêmes. Nous allons faire en sorte que ces enseignants soient payés pour leur donner la meilleure formation. La plupart de ces élèves, nous allons chercher les élèves dont les parents n'ont pas les moyens pour les mettre dans une structure privée, veiller sur eux, leur donner un niveau de gloire afin qu'à la fin de leurs études, que ce soit primaire ou secondaire, qu'ils puissent avoir des bourses pour aller continuer les études à l'extérieur. Grâce aux petits cadeaux, aux petits chapeaux que vous êtes en train d'envoyer, voici aujourd'hui la mission que je me suis donnée avec tous ces cadeaux de TikTok. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes ces personnes qui continuent de prier pour nos enfants. Je rappelle le WhatsApp, prenez le numéro. Merci pour tous ceux qui continuent d'amener les cadeaux. Hein. Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont s'aimer ce soir comme un cadeau, que Dieu vous bénisse. Je vais en tenir compte que dans mon premier live, depuis qu'on a fermé mon compte là, voici la liste des personnes qui se sont souvenues en disant « Général, nous sommes avec toi ». Je rappelle le WhatsApp. Envoyez-moi le message. Vous dites « Général, je veux mon cadeau et la prière de 2024. » S'il vous plaît. C'est le 00. Maman Cathy. C'est qui est venu là? Non, c'est Maman Catherine. C'est pas Maman Cathy, c'est Maman Catherine. Voilà. 00-225. 07. Axel, que Dieu te bénisse. Tu es pardonné. Il n'y a rien. Voilà, ne te mets pas dans un esprit. Non, peut-être que non. C'est fini. Voilà, je comprends que Emilio, ce qu'il a dit, t'a choqué. Je me suis mis dans ta peau et je peux comprendre ta réaction. Voilà, c'est le petit côté, même si Dieu descend, qui a amené les gens à se dire, pourquoi tu as dit ça? Mais je pense que c'est la colère qui t'a amené à dire ça, parce que tu ne veux même pas que les gens puissent penser qu'un jour, ça peut arriver. Parce que tout simplement, voilà, c'est ce qui est. Voilà, donc considère dans ta tête que c'est fini. Mets ça dans ton cœur, mets ça dans ta tête. Continue ton chemin. Fais sortir tes sons. Concentre-toi sur le talent que Dieu t'a donné. Puis en fonction de ça, je ne veux plus jamais te voir sur un panel
pour aller te justifier. Que ce soit la première et que ce soit la dernière fois que tu te diminues pour aller te mettre quelque part où on te manque de respect. C'est vrai, les personnes qui te manquent de respect pensent qu'ils sont en train de te manquer de respect pour ma fille. Mais ma fille n'a jamais amené quelqu'un pour te manquer de respect dans les différents panels. Jamais. Donc plus jamais tu te permets de monter sur un panel. C'est en te voyant être en train d'être humilié, grondé sur un panel, que j'ai compris l'erreur que je faisais en allant monter sur des panels. J'ai compris cette erreur. Des personnes qui, dans la vraie vie, n'ont pas notre niveau, vont nous parler. Jamais. Jamais. Tu es un lion. Tu es une bénédiction. Concentre-toi sur le talent que Dieu t'a donné. Je rappelle encore mon WhatsApp. 00225. 07. Allô. J'espère que vous allez bien. Désolé du bruit, hein, désolé du bruit. En fait, je suis quelque part, il y a beaucoup de bruit. J'étais en émission radio et j'ai demandé à prendre, un instant pour venir, en fait, à la pause de l'émission radio. Et je tiens vraiment. Tu parles avec qui? Bonsoir ou pas? Merci, mon petit. Il faut savoir j'ai dit ça au début, papa. Pas bien entendu, t'es pas attrapé ta petite babichette, hein, mon petit. Non, j'ai dit bonsoir, papa. J'ai dit bonsoir, papa. J'ai dit ça depuis le début. Ah, d'accord, il n'y a pas entendu. J'ai dit ça. Donc, je disais en fait que j'étais en émission. J'ai juste pris un instant pour venir, en fait, pour parler parce que j'ai vu que vous étiez en live. Et je tiens vraiment je parle vraiment au niveau du micro parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je tiens à présenter mes excuses encore parce qu'en vrai, quel que soit ce qui peut m'envoyer, je ne peux jamais manquer de respect à un doyen sur Internet. C'est impossible. Ça, c'est impossible complètement. Et je tiens vraiment à présenter mes excuses. Je pense que je me suis laissé aller. Et je pense que, comme on l'a dit, vraiment, il n'y a rien sur le cœur. Chacun fait ce qu'il a à faire au calme. Chacun fait bien ce qu'il est en train de faire. Et puis, c'est tout. Et papa, je voudrais vraiment que vous dites aux gens que ce n'est pas un buzz. Non, c'est pas un buzz. Il faut vraiment. C'est moi qui ai mal agi en mettant le commentaire. Voilà. Mm-hmm. C'est moi qui ai mal agi en mettant le commentaire. Ce n'est pas un buzz. Et voilà, ce n'est pas un buzz. Je ne veux pas que quelqu'un vienne dire « Ah ouais, si Axel a fait ça, s'il vous plaît. » Si vous pensez vraiment que c'est un buzz, ne parlez pas dans les panels, s'il vous plaît. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Ne parlez pas de moi dans les panels pour ne pas me donner ce buzz-là. C'était très simple. Papa, je m'excuse encore. Je dois aller en truc là, en radio. Tu as pardonné. L'objectif de mon direct, c'était de l'annoncer. J'ai vu ta vidéo. Considère que tu as pardonné. C'est fini. C'est juste une compétition. Tu as été pardonné par la collègue Emilio. C'est pardonné. Merci, papa. Et bonne soirée, papa. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci à toi, la seule. C'est qui est la seule? C'est qui s'appelle la seule? C'est qui s'appelle la seule qui a envoyé le lion? C'est le corbeau? Corbeau. Moi, je ne connais pas de corbeau. Un corbeau ne peut pas venir avec un lion. Un corbeau vient toujours avec un univers. Il faut savoir corrompre le général. Un corbeau vient pas. Eva, je sais pas. Un corbeau vient pas avec, comme on appelle ça, un lion. Un corbeau, quand il vient sur le général, c'est avec un univers pour montrer qu'elle contrôle tout l'univers. Parce que les corbeaux ont la vision de l'aigle. Fatou, que Dieu te bénisse. Vérostine, que Dieu te bénisse. Je suis en train de vérifier pour voir s'il y a un blogueur ou un TikToker que je connais qui a lancé aussi son invitation. J'allais prendre cette personne rapidement. Vous savez, Axel et moi, on ne se parle pas. Depuis que toute cette affaire s'est passée, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne voudrait vraiment pas que cette affaire puisse revenir. C'est-à-dire tu sens qu'il regrette beaucoup de choses et ne voudrait pas que ça revienne. Il ne voudrait pas que ça devienne comme un challenge où chaque jour, on reviendra sur cette affaire pour faire des panels, pour développer, pour décortiquer. Finalement, ça épuise. Ça fait mal. Parce que tu as l'impression que c'est quelque chose que tu veux créer pour revenir dans quelque chose. Que ni lui, ni Kimi, qui est concentré actuellement sur sa vie, ses projets, ses études. Bientôt, Kimi va reprendre son concours de chant. Et vous savez qu'elle aura des juges qui seront les plus grands de ce monde, qui viendront s'associer à elle, qui ont décidé de coller leur image. Bientôt, Kimi aura sa vente de 24 heures. Tous ses produits ont commencé à venir, des nouvelles palettes et autres. Voici ce qu'on doit faire. On doit pousser ces enfants-là à réussir ce qu'ils sont en train de faire. Et non à les amener à se diviser. Parce que la division vient du diable. Mais la paix vient de Dieu. Moi, Camille Makoso, je suis un homme de paix. Je ne veux pas que mon histoire, c'est-à-dire mon nom, soit associé à la division. Yeah! J'ai fait des clashs. J'ai pris de l'âge. J'ai 45 ans.
Si à 45 ans, je ne sais pas ce qu'on appelle la sagesse de Dieu, et que c'est moi en tant que vieux père qui vais être divisé, je refuse d'avoir ce mandat-là. Même si on me dit que je suis faible, je sais que beaucoup m'ont amené un message général, tu n'aurais pas pu du parcelle. Chez moi ici, là, il n'y a pas de démocratie, c'est la dictature. Celui qui a s'amusé avec moi a venu me prendre comme son enfant pour me dire, me donner conseil. Toi, tu m'as tenté de me donner conseil. Mais soit des femmes qui se rendent dans une bonne nom, général, tu n'es pas là. Hé, y a pas de mougoumé qui a pleuré. Tu ne peux pas me donner conseil. La lascaras, chacun des cas connaît son game. Je suis gêné sous le papa de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je dois être un homme de paix, un homme de conciliation, un homme de respect, c'est tout. Je ne dois pas être un homme qui rejette les gens. Ce n'est pas la mission qu'un pasteur a. Le pasteur accepte tout le monde. Il prend le soin de réconcilier les gens. Point. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Vous m'envoyez le message. Vous dites, général, je veux mon cadeau et ma prière. Vous tous qui êtes au niveau de la France, je dois vous remettre quelque chose de spécial. J'ai un secret qui me permet chaque jour d'avoir de l'argent. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.